Yo tout le monde, aujourd'hui c'est Nexo et on se retrouve pour une petite émission culinaire et on va préparer des jambons avec de fromage. Non, je rigole. Bon, yo tout le monde, c'est Nexo, j'espère que vous allez bien et on va se retrouver donc pour la vidéo des 400 abonnés. La vidéo donc du gaming setup. Donc avec la magie du montage, on va se retrouver dans ma chambre. Attention, 1, 2, 3. Téléportation! Hop là! Voilà. C'est risqué la téléportation quand même, hein. Oh là là, je vois déjà des gens qui se disent: mais comment il a fait? Oh, mais il n'est pas humain! Comment il a fait pour se téléporter? Alors c'est simple, je vais vous montrer. Oh là là, petit secret pour savoir comment faire une téléportation réussie. Donc allez, hop! En fait, ça c'est le secret de la téléportation. En fait, on se téléporte pas vraiment, c'est la magie du montage. Vous voyez, hop, je fais tout ça. Monte l'escalier, l'escalier on le monte. Et puis en fait on se retrouve comme ça. Voilà. En fait je me suis pas vraiment téléporté quoi. Hein? Bon allez. Par contre moi j'ai quand même un peu faim en fait. Bon allez. Voilà comment ça se passe. Bon les gens, bon hop, donc là on se retrouve dans la chambre. Donc pour le gaming setup des 400 abonnés, comme je l'ai dit. Il y a à peine 30 secondes. Bon. Donc quand on rentre dans ma chambre, bah, on arrive là. Sur le côté, mon bureau. En face, la télé. Donc on va faire un rapide tour. Donc voilà. Donc là, c'est une commode. Hein, rien de plus banal. Avec mes parfums. iPod. J'ai une casquette Obey. J'ai des écouteurs AirPod. Les derniers de chez Apple. Je les conseille. Hein, je les conseille. Franchement, ils sont super. Ensuite, ça nous intéresse un peu plus. Donc, c'est une télé 82,5 cm de Telefunken. Les 0,5, je sais pas pourquoi. Ensuite, ici on se retrouve, donc là c'est ma Xbox. Donc, c'est une Slim 250 Go. Ensuite, niveau jeu, je joue actuellement à FIFA 13 et je regarde Breaking Bad quand j'ai le temps. Ensuite, donc j'ai Black Ops, Modern Warfare 2, FIFA 11, le 4, Black Ops, Modern Warfare 3, Assassin's Creed 3, Red Dead Redemption, avec les zombies. Prototype, c'est un vieux jeu, mais un excellent. Et derrière, j'ai World at War et un Assassin's Creed, je sais pas lequel. Hop, donc on va se relever. Donc là, hop, mon lit, de place. Donc, bref, là, on s'attaque sur mon bureau, qui est pas très rangé, parce que je suis en pleine... Pleine révision de bac quoi, hop, donc mon bureau, hop. Je vais me mettre donc, hop, voilà, donc là on est, je sais pas si on va bien voir, hop. Donc ouais, donc 400 abonnés, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Donc comme vous pouvez le voir, je suis en double écran. Celui-ci est un 19 pouces et celui-là est un 24 pouces. J'ai un clavier Cyborg. Oui, Cyborg. Hop, voilà. Très très utile avec deux configurations. Le mode, je sais pas si on peut dire mode normal et mode Cyborg, quoi. Le mode Cyborg, en fait, ça nous permet de changer les touches de couleur. Je vais enlever le flash. Hop, voilà. Donc hop, comme ça. Hop. Donc là, on est en mode normal. Et là, on passe en mode cyborg, donc là on peut voir que les touches de jeu ressortent, que les là j'ai des touches programmables qui s'activent en mode cyborg, et cette touche là, la touche Windows, ça marche plus. Hop. Regardez, hop. Hop. Vous voyez, ça marche plus. Hop, on repasse en mode normal, et quand j'appuie sur la touche Windows, voilà. Petit outil pratique. Hop, donc ensuite j'ai un casque, j'utilise un très vieux casque. C'est pas ce qui m'intéresse à changer pour l'instant. C'est donc c'est un hop, c'est le Sharkoon X Tactic SX. Franchement, je le conseille pas du tout. Franchement, pour ceux qui c'est 50 à peine 50 € mais je le conseille pas du tout parce qu'il est lourd. Ça fait après quelques heures d'utilisation, on a mal quoi. On a mal, il est lourd et tout ça. Ouais, je conseille pas du tout. Ensuite, bon, ça c'est le micro qui va avec, qui se met là. Hop. Voilà.
Ensuite, donc, ma tour qui est camouflée là-bas. Donc voilà, hein. Boîtier AF, couleur master. Voilà, donc on verra pas grand-chose. Je vais pas l'ouvrir sous vos yeux parce que, de toute façon, dedans, il y a un i5, il y a une Radeon 7950. Et ensuite, bah, c'est simple, si vous voulez savoir ce qu'il y a dans l'ordinateur, je vous invite donc à aller sur la chaîne, puisque si j'ai enlevé le flash, voilà. À aller sur la chaîne, vous allez dans « À propos de », et dans là, vous aurez toute la description concernant donc mes logiciels, mon matériel, et la configuration du PC. Donc là, on peut voir que c'est un i5, carte mère, on peut voir des 8Go de RAM, hop, et puis voilà. Hop, on va revenir en arrière. Hop. Et puis bah voilà, je pense que tout était présenté. Bon, par exemple, pour ceux qui savent pas ce que c'est ça, je vais juste remettre le flash, voilà. Ce que c'est ça, c'est un boîtier Netgear en fait. En fait, au départ, donc ma console était en Wi-Fi, parce que là, c'est donc elle a Wi-Fi pour ceux qui savent pas. Et je me suis rendu compte que je perdais beaucoup en connexion, donc en fait, je me suis acheté ça, qui m'a permis donc. Là, vous voyez, il y a trois câbles. Il y a le câble principal qui vient du boîtier internet. Il y a le câble, celui-là, qui va vers le PC. Et il y a celui-là qui va vers la console. Donc, en fait, ça permet de multiplier. Enfin, ouais, ça multiplie internet. Par exemple, bon, là, il y a le boîtier. Ça, c'est le câble principal. Ça, c'est l'ordi. Et le numéro 4, c'est la console. Donc, mon câble, il fait. J'en ai pas acheté un de 15 mètres. En fait, il fait tout le tour derrière. Là, il vient là. Il va là derrière, hop, et puis fini là, voilà, donc là il y a encore 2-3 mètres de libre, facile, donc voilà, bon j'espère que le rapide tour de ma chambre vous aura fait plaisir, c'est toujours sympa je trouve de découvrir l'univers où vit la personne qu'on regarde, d'ailleurs je vais enlever le flash sinon on va faire, pas envie de me faire repérer par la voiture, et voilà ce que je vois de ma chambre, voilà, hop, la petite cabane. Enfin bref, voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo spéciale 400 abonnés vous aura plu. Et puis là, je vais aller tourner le Hunger Games des 400 abonnés. Donc, je pense faire une longue vidéo. Assez longue, Hunger Games plutôt long. Ça fait toujours plaisir aux gens, tu vois. Et puis bah voilà. Allez, salut tout le monde. J'espère que ça vous aura plu. Comme j'ai dû le dire au moins 3-4 fois dans la vidéo. Allez, salut tout le monde. Ciao.